Bon, bah tout est dans le titre. Amis voyageurs, bonjour. On a des petits ennuis avec Swingy, ça fait un moment mais il s'est passé énormément de choses. C'est une longue histoire, c'est pour ça qu'on vous en a pas parlé jusqu'à maintenant. Et on va vous raconter tout ça, mais là je vais chercher un ordinateur pour régler le problème. Suspense. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, lui, c'est Swingy, notre vieille capucine Himmer qui nous balade depuis 8 ans en France et en Europe. Il y a bientôt un an, nous l'avons entièrement équipé de façon à avoir une énergie illimitée pour pouvoir voyager et travailler sur la route. Mais si faire soi-même est très enrichissant pour apprendre, comme quand on voyage, il n'y a pas vraiment de mode d'emploi. On apprend sur le tas, on prend des conseils, et forcément, on y va à tâtons. On teste, et parfois, on fait des erreurs. Là, on vient de rentrer d'une super rando dans le Val d'Aoste. On vient juste de passer le tunnel du Mont Blanc, on est donc en Italie. Et là, on a un problème pour redémarrer. En fait, c'est de ma faute puisque hier, j'ai forcé l'Orion parce qu'il ne fonctionnait pas sur la route, il ne se rechargeait pas en roulant. Donc je l'ai forcé en enlevant l'option détection de l'arrêt moteur. Et comme on s'est installé tard hier soir, j'ai oublié de le réactiver. Donc là, au moment de redémarrer, on a mis les clés dans le contact, plus de batterie. Je pense que c'est ça le problème, c'est qu'en fait, l'Orion a dû tirer sur la batterie moteur pour recharger donc la batterie cellule. Et donc là, ben, batterie à plat. Donc on vient de contacter l'assurance. Merci de patienter quelques instants. Là, on est passé sur la filiale Italie, ça change de musique. Tu veux venir avec des guitares? Nous vous assurons de tous nos efforts pour écourter votre attente. Veuillez rester en ligne afin de conserver votre priorité d'appel. Bonjour, je vous appelle pour une demande d'assistance pour un véhicule. Je vous écoute, monsieur. C'est au nom. Vous n'inquiétez pas, s'il vous plaît. Oui. C'est une blague, là, non? Elle a coupé l'appel? Oh putain. Ça fait 26 minutes que j'appelle et elle a coupé. Ah non, c'est une blague, là. Et on attend. Le dépannage, parce que là, il n'y a personne avec des pinces pour nous aider. On espère surtout que la dépanneuse pourra arriver jusque-là, parce qu'on a emprunté une toute petite route. C'est vraiment une sans issue, c'est un départ de randonnée. D'ailleurs, on a bien galéré hier soir à venir se poser ici, donc j'espère que la dépanneuse ne sera pas trop large, qu'elle pourra passer. C'est bon. Action! Ça tourne! Retour vers le présent, et c'est pour vous dire qu'on va vous raconter la suite de nos mésaventures qui ne sont pas terminées, mais aussi que cette vidéo est sponsorisée par... Tu sais pas? Mais Périplessis! On sponsorise nos vidéos maintenant. Ouais, on sponsorise nos vidéos. Mais ça va, t'as pas trop le melon, quoi. Non, ça va. C'est là, on est au petit déjeuner, et nous avons ce super mug Périplessis. Santé. À notre effigie. Avec café. Santé. Avec café. Ça, vous les connaissez, c'est les mugs Périplessis. Ils sont de retour sur le Périshop avec plein d'autres goodies cette année, plein de nouveautés. On a fait en sorte de créer des goodies qui puissent être utiles, sympas, qui en même temps sont fabriqués en France ou en Europe pour préserver la qualité et puis par aussi conviction, tout en restant sur des prix quand même abordables pour que chacun puisse en profiter. C'était super important. Alors si vous voulez nous donner un petit coup de pouce dans nos aventures, contribuer à ces Périplessis, et ben n'hésitez pas à faire un petit tour sur le Périshop. Oui, il est ouvert jusqu'au 15 juillet 2022 seulement. Alors n'hésitez pas à y aller dès maintenant si ça vous intéresse. Le lien, il est dans la description, c'est boutique.périplessis.fr. Pour revenir à nos Orions, qu'est-ce que nous aurions dû faire? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le chargeur Orion, c'est tout simplement le chargeur qui aide à recharger notre batterie cellule du camping-car grâce à l'énergie moteur de notre camping-car quand on roule grâce à l'énergie de l'alternateur. Et en fait, cette expérience, ça nous aura appris deux choses. Un, que notre batterie moteur était probablement déjà en fin de vie. Elle date des codes de l'Écosse, je crois. Ouais, elle date déjà de 6 ans et elle commençait à donner de sérieux signes de faiblesse. C'est probablement pour ça que l'Orion, très intelligent, ne voulait pas se mettre en marche et que nous l'avons forcé. Deuxième chose que nous avons appris, c'est que l'Orion en demande probablement un chouïa trop à l'alternateur de notre vieux véhicule. Et au final, ben, ce qui devait arriver arriva, parce que non, les galères ne sont pas finies. À Noël, notre batterie
moteur a rendu l'âme. Joyeux Noël. Qu'est-ce que tu fais toi le jour de Noël? Je démonte ma batterie moteur. Et c'est la merde. La batterie était déjà fatiguée, mais maintenant c'est foutu là. On la change et en fait, ils ont la bonne idée de placer les pôles plus vraiment tout au fond, là. Où on voit rien du tout et où c'est pas accessible. Et en plus, il pleut. Ça y est, opération terminée. Simon, ton ressenti? T'es au bout de ta vie, toi. Hein? T'es au bout de ta vie. Joyeux Noël, hein. On a amélioré notre système, donc du coup, maintenant, ça se présente ainsi. On a des bus barres pour que ça soit plus propre pour lier les appareils. On a mis aussi un coupe-circuit pour les fils du panneau solaire. Comme ça, on peut désactiver et activer les panneaux solaires très facilement. Et on a mis aussi un coupe-circuit pour la batterie, pour pouvoir faciliter la maintenance sur la batterie et puis que ça soit plus sécurisé. Ah oui, on a aussi installé enfin le BMW qui permet de voir directement l'état de la batterie sur le moniteur. Voilà, joyeux Noël à tous! Alors, avec cette nouvelle batterie, est-ce que tout était réglé? C'est une bonne question, mais avant, que diriez-vous d'un petit rafraîchissement dans des magnifiques verres? Je prendrais bien une petite boisson. Une petite limonade, oui, rafraîchissante. Allez. Hein, faisons ça. Mais comment le décapsuler? Je ne sais pas. Avec un superbe décapsuleur, pardi. Ah, il est beau, regarde, montre-le. À accrocher sur les clés. Utile. À retrouver sur magnifique. Le Perishop, bien magnifique. Entendu. Ça marche avec la bière artisanale, mais après on va dire que les périplessis, ils boivent tout le temps et picolent tout le temps. Merci, à plat. Donc, batterie, moteur réparé, mais... Mais après ça, vous avez vu qu'on a installé un moniteur de chez Victron Énergie qui nous permet d'observer en temps réel la consommation, ce qui sort et ce qui rentre dans la batterie. Et c'est plutôt pas mal. Oui, il est juste là. Est-ce que sinon tu peux nous montrer? Ça nous permet de voir le pourcentage restant sur la batterie, le nombre d'ampères heures utilisées, et donc de pouvoir savoir combien d'heures on peut rester dans cette configuration. D'ailleurs, si vous voulez acquérir ce type d'équipement spécifique ou d'autres équipements Victron, des batteries gel, des batteries lithium, panneaux solaires, vous savez qu'il y a toujours notre code promo de 5% chez notre partenaire OPZS, le code Périplessis. Comme d'habitude, toutes les infos, elles sont dans la description. Alors, c'est des paramètres qu'on avait déjà en partie, nous, avec l'application mobile de la batterie, l'application Ultimatron France. Et quand on a mis ce BMS de chez Victron Énergie, on s'est rendu compte qu'il y avait une consommation fantôme, appelons-la consommation Casper, de 120 watts quand on allumait le convertisseur. 120 watts, c'est énorme. C'est énorme. Pour vous faire une idée, ça fait la consommation d'un frigo à absorption où en 20 heures, ça vide notre batterie de 200 ampères. Donc on se demandait d'où venait cette consommation. Le simple fait d'allumer notre convertisseur multiplus faisait une consommation de 120 watts. Du coup, ça mettait un petit peu en péril l'autonomie qu'on souhaitait avoir en voyage. Alors à partir de là, ça a été très long. On a cherché, on était en Espagne, au fin fond de l'Espagne, et on cherchait désespérément la solution à notre problème. Et en fait, après avoir envoyé un message à notre partenaire au PZS, un des ingénieurs nous a répondu qu'il fallait faire attention d'avoir rien branché au pôle négatif de la batterie, hormis le câble de ce moniteur BMW. Ça, on ne l'avait pas dit à l'avance. Et pourquoi? Parce que ça crée des interférences, ça crée une résistance, et du coup, effectivement, on a tout débranché. Après ça, notre consommation était à peu près réglée. En plus, tant l'application de Ultimatron que l'application Victron étaient d'accord. Il restait quand même 80 watts de consommation fantôme. Ouais, énorme encore. Impossible de savoir d'où ça venait. Bon là, on l'a fait rapide parce que ce qu'on est en train de vous dire là, ça a pris des semaines et des mois. Après avoir recontacté OPZS, ils nous ont dit qu'il fallait rentrer dans les paramètres du Multiplus pour changer des données précises. En gros, pour lui dire que la batterie, c'était une batterie lithium. Il n'est pas capable de le savoir. Sauf que normalement, le Multiplus est censé détecter automatiquement qu'il s'agit d'une batterie lithium. Sauf qu'on est au fin fond d'Espagne, on n'a pas l'outil pour rentrer dans les paramètres du Multiplus parce que le Multiplus est le seul équipement qui n'est pas connecté via une application. Tous nos autres équipements sont connectés en Bluetooth, on peut tout observer, sauf sur le Multiplus. Pour le Multiplus, il fallait une clé VE-bus pour pouvoir rentrer dans les paramètres, mais... Avec un logiciel qu'il faut installer sur un ordinateur... Windows. Nous avons un ordinateur Mac. Mac. Voilà. De retour en France, on a pu avoir un Windows, on a reçu la clé VEBUS. Donc là, il va falloir que je connecte le VEBUS
au multiplus, ce qui n'est pas facile parce qu'il est dans un accès qui n'est pas très aisé. Et après que je connecte le VEBUS à l'ordinateur. Et on a pu rentrer dans les paramètres du multiplus pour lui dire qu'effectivement, c'était une batterie lithium. Type de batterie, lithium, tous les paramètres. Paramètres d'assistant écrit avec succès dans l'objectif. Une fois qu'on a fait ça, on a envoyé les paramètres à la machine et là, tout s'est mis à clignoter dans tous les sens. Le multiplus était en défaut et on a voulu quand même essayer de recharger la batterie et au moment de redébrancher, tout noir, plus rien. Alors là, super, c'est encore mieux. Simon vient de débrancher le multiplus et il n'y a plus rien. Plus rien. Super. Plus de 220, plus de 12 volts, plus rien. Plus d'électricité dans le camping-car. Nous n'avions plus de 12 volts, plus de 220, bref, toute l'installation électrique était foutue. Voilà, la grosse panique, quoi. Tous ces mois de travail, de recherche pour plus rien. C'était pas terminé. On a renvoyé un mail à notre partenaire qui mettait un petit peu de temps à répondre, il faut le dire. Ils ont toujours été là quand même pour nous guider, mais en prenant un plus ou moins de temps. Il faut dire que nous aussi, avec notre boulot, on n'était pas non plus 100% pour le camping-car, donc ça a duré des mois. Bah surtout qu'on sait jamais vraiment si c'est la bonne solution ou non. Des fois, on entend des infos d'un côté, des fois d'autres de l'autre. Donc vraiment, pour faire la part des choses, savoir vraiment ce qui va fonctionner, c'est compliqué. Et c'est aussi pour ça qu'on n'en a pas parlé, parce qu'on voulait pas avoir plein de sons de cloche de la part de personnes sur YouTube ou sur Instagram qui nous perturbaient. On voulait vraiment prendre les choses une à une. On a donc contacté notre partenaire qui nous a dit « Votre batterie, Ultimatron, elle est déjà équipée d'un BMS, un système de surveillance. » Et puis, avec Victron, vous lui rajoutez quelque chose. Donc ça fait encore interférence. Il faut re-rentrer dans les paramètres et supprimer le BMS de la batterie. Sauf que là, nous avions rendu l'ordinateur. Donc il a fallu retourner chercher l'ordinateur. Bon, j'ai récupéré un ordinateur pour entrer dans les paramètres du multiplus, pour pouvoir régler ce qui va pas. Vous allez voir que tout ça, c'est pas simple. Et heureusement, j'ai une petite batterie portable qui va me servir parce que du coup, si vous avez bien suivi, eh ben, j'ai plus d'électricité. Et naturellement, depuis la dernière fois, on a enlevé le logiciel de l'ordinateur, donc il faut que je le réinstalle et c'est super long, c'est super pénible. Donc là, mon multiplus, c'est vrai, n'est plus en défaut. La diode de l'alarme ne s'allume plus. Maintenant, il va falloir que je rebranche ma batterie histoire de voir si ça refonctionne. Mais je vois pas pourquoi le multipuce réglerait le problème de la batterie, mais on va voir. Faut tout que je remette en place et c'est pas évident. Ça commence à me fatiguer vraiment tout ça. Heureusement, j'avais pris une photo de l'installation comme elle était avant. Comme ça, je peux imiter. Parce que j'ai la trouille d'une gourée, c'est vraiment pénible parce que à chaque fois que je desserre, déjà les fils se tordent et c'est pas cool. En fait, le problème c'est qu'il manque des rondelles pour faire correctement contact. C'est méga long. Ça me gave, mais j'ai envie de savoir si ça marche. On vous passe un petit peu les détails. On a réussi finalement à rentrer de nouveau dans les paramètres et régler le problème. Et effectivement, le multiplus s'est remis à remarcher. Sauf que, autant on avait de nouveau du 220 via le multiplus dans la cellule, autant notre circuit 12 volts ne répondait toujours plus. Pas de lumière, pas de pompe d'eau, pas d'éclairage. Enfin bref, le 12 volts, c'est super important. Toutes les bases de notre circuit 12 volts étaient foutues. On regarde avec l'appli Ultimatron. Apparemment, la batterie lithium a un problème. En tout cas, Elle se met en défaut. Donc, est-ce que la batterie est foutue? Est-ce qu'il faut la changer? Bon, dernière nouvelle, il faudrait apparemment qu'on recharge notre batterie, mais en 12 volts, pas sur 220. Et ça réglerait le problème, ça la rebooterait. Donc, on va se servir d'un trajet qu'on fait dans le sud de la France pour essayer de recharger complètement notre batterie en 12 volts. Confession, on n'y croit pas du tout. Hein. Oh, si. Moi, j'ai l'impression que la batterie, elle est foutue. Mais personnellement, je crois qu'on nous dirait n'importe quoi, on le ferait parce qu'on est complètement... Bah, on n'a pas le choix, de toute façon ça marche plus sinon. Sinon ça ne marche plus. On est complètement démunis. Démunis les belles potes. Ok, la batterie est chargée à 100%, on a fini le trajet, on vient de revenir et je viens de tout rebrancher, le circuit 12 volts et tout à la batterie. Donc maintenant reste le moment de vérité que je vais tester en direct et j'ai le cœur qui bat à fond pour savoir si ça va marcher. Vous êtes prêts? J'ose pas.
Oh punaise, soulagement, il y a des lumières. Ça marche. Voilà les péripodes, pourquoi vous n'avez pas vu Swingy sur la chaîne depuis longtemps. Aussi parce que nous avons testé un fourgon, vous l'avez vu, et c'était un souhait qu'on avait depuis le départ de la chaîne. Mais aujourd'hui, tout va bien, donc on va fêter ça. Que diriez-vous de boire un coup dans un nouveau verre Périplessis? Placement de produit. Ça marche aussi pour le vin rouge, pour le jus de pomme, à retrouver sur le Périshop. Donc en conclusion, on n'a plus que jamais des projets pour Swingy et avec Swingy, et c'est à suivre très bientôt sur notre chaîne. Quant à nous quand même... Santé ! À consommer avec modération, bien entendu. Je pense que nous pouvons avoir mérité un petit remontant après toutes ces mésaventures, mais vous savez quoi, ce qu'on retient de ça, c'est qu'on est fiers d'avoir pu quand même s'accrocher et continuer et chercher le problème nous-mêmes, et puis au final, on en ressort quand même grandi, parce que oui, faire soi-même, c'est quand même très compliqué, on fait des erreurs, mais quand on trouve les solutions, c'est d'autant plus gratifiant. Si vous voulez retrouver donc tous les goodies Périplessis, le verre, les cocups, le décapsuleur, le tote bag, les mugs, et bien les stickers, des box cadeaux, un calendrier photo et plein d'autres choses, vous pouvez cliquer ici. À bon voyageur. Salut.